Eh oui, nous voilà en Angleterre, où Messire de Bouville a été mandé en ambassade par le roi Charles, notre sire. Oui, oui, Charles. Et Philippe, direz-vous, le cinquième, celui qu'on appelait le Long, et qui venait tout juste de s'asseoir sur le trône de France. Il est mort. Mort après 5 ans de règne pâle. Mort après 5 ans de sort contraire. Mort pour avoir bu l'eau de son royaume. 3 semaines après son sacre, la famine avait jonché les villes de cadavres. Puis un vent de démence avait soufflé sur la France. Prêché par les Templiers, survivants du fer rouge et des brodequins, des milliers et des milliers de garçons et filles de campagne s'étaient mis à marcher ensemble sur les routes. À chaque carrefour, leurs rangs grossissaient de prêtres interdits, de moines apostats, de brigands, de voleurs, de mendiants et de putains. Une croix en tête, ils allaient vers de mystérieux rendez-vous qui n'aboutissaient jamais. Garçons et filles s'abandonnaient à la pire licence. Entrant dans une ville pour y demander l'aumône, ils avaient vite fait de la mettre au pillage. On les appelait les pastoureaux. Une année durant, ils allaient ravager la France du nord au sud. Et comme ils avaient soif de victimes, ils massacrèrent les Juifs. D'abord, on les applaudit, puis on les tua. Dans les marécages d'Aigues Mortes, par milliers, assommés, percés, enlisé, noyé. La terre de France buvait son propre sang, engloutissait sa propre jeunesse. À peine apaisée la fièvre des pastoureaux, apparut celle des lépreux. On les rendit responsables de la pollution des eaux et, devenus ennemis publics, on les extermina. Pour faire bonne mesure, on massacra aussi un peu les Juifs survivants. Puis, ce fut au roi de mourir. Il mit 5 mois à s'éteindre, dans les pires souffrances. La malédiction lancée du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers avait continué de rouler sur la France. Le destin abattait les rois comme pièces d'échec. À présent, c'est Isabelle, fille du roi de fer et sœur de Charles IV de France, qui semble avoir transporté la malédiction au-delà de la Manche. Femme humiliée, reine bafouée, tremblant pour sa vie, la Louve de France rêve de vengeance. Son époux, Édouard, roi léger, décevant, incapable, soumis à la passion amoureuse qu'il porte à son favori, Hugh le Despenser. Son épouse, Lady Eleonore, qu'on a imposée à la reine comme dame de compagnie. Quant à Messire de Bouville, venu chercher alliance et mariage au nom de Charles de Valois pour sa fille, il tombe mal, très mal. Regardez-les bien, les grands barons d'Angleterre. Lancastre, dit Torcol. Kent, frère du roi Édouard II. Regardez-les bien. Ils sont raides de haine, mais encore calmes. Tout va changer tout à l'heure, lorsqu'ils vont apprendre ce qui s'est passé ce 1er août 1324 à la Tour de Londres. Cesse donc des pieds, ce corbeau. Tu ne fais que cela depuis 18 mois. Prends garde, Édouard. Prends garde. Un jour ou l'autre, je finirai bien par t'étrangler. Aussi vrai que je m'appelle Roger Mortimer, 8e baron de Wigmore. Aussi vrai que je m'appelle Mortimer de Chirque, nous ne sommes plus rien. Tu n'es plus personne. Il fallait gagner la bataille à Shrewsbury ou mourir, pas tomber entre les griffes d'Édouard. Quand on se rebelle contre son roi, on se doit, on lui doit, d'aller jusqu'à l'extrême bout du chemin.
ne s'évade pas de la tour de Londres, mon garçon. Personne. Ni ce soir. Ni jamais. Merci, mon oncle. C'est non. Vous êtes vraiment résolu à ne point m'accompagner. Jamais je n'aurais dû vous écouter, Thomas de Lancastre, et toi, quand vous avez pris les armes. Aujourd'hui, Thomas a perdu sa tête sur l'échafaud, et voilà où nous sommes. Justement, il ne faut pas y rester. Mes jambes, elles ne me soutiennent plus. Je vous porterai. Par-delà les murs, et dans l'eau où je ne sais pas nager. Que t'imagines-tu? Tu crois que toute l'Angleterre t'aime et travaille pour toi? Personne ne lèvera la main pour t'aider. Pas même l'évêque Orleton, qui est ton ami fidèle, et encore moins la reine. Je vous interdis de douter de la reine. Enfin, qui croit encore aux sentiments humains? Ce soir, tu verras, personne ne viendra. C'est pour ce soir. Le lieutenant Alspey. Il partira avec vous. Et l'évêque? Il vous attendra à l'extérieur, à la nuit tombée. Préparez-vous, mon oncle. Notre ami Alspey a bien fait les choses. Les gardes tombent les uns après les autres. On dirait tout juste que la tour est morte. Est-ce toi, Alspey? Oui, my lord. Salut, levez-vous. Le moment est venu. Je n'ai pas la clé. La poudre de l'évêque qu'on a mêlée au vin a fait merveille. Trop même. Votre geôlier s'est endormi d'un coup. Et on ne retrouve plus le trousseau. J'ai cherché partout. On est où, Ogle? Le barbier. Avec moi. On va le prendre une masse. Et faites sauter les portes. Non. Va seul. Si, si, il faut que tu t'échappes. Venge-nous, Roger. Thank you.
Lord Mortimer. Mylord, mon seigneur, je vous dois tant. Et d'abord la vie. Attendez d'être en France avant de me remercier. Des chevaux sont là sur l'autre rive, un navire vous attend près de Douvres. Partez-vous avec moi, monseigneur ? Non, fuir serait avoué. Dès que je vous aurai embarqué, je rentre en mon diocèse. Mais le roi ? Le roi, il me hait, mais il n'osera pas me toucher. Et la reine ? La tourmente-t-on toujours autant ? La reine vous veut grand bien. C'est elle qui a fourni ce que je dois vous remettre pour que vous puissiez vivre en France. Regardez, my lord. La lune, propice aux amoureux, funeste aux fugitifs. Venez. Savez-vous la nouvelle, madame ? Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour. Ce n'est pas mon Mortimer, sire. Le lord Wigmore est votre sujet. Davantage, je crois qu'il n'est le mien et je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Mais laissez donc paraître votre joie, madame ! Du temps que ce Mortimer daignait se montrer à ma cour, vous n'aviez Dieu que pour lui. Pas un jour sans vanter ses mérites, sa noblesse d'âme. Comment ne l'aurais-je pas aimé ? Ne serait-ce que par amour de vous. N'avait-il pas conquis à votre place et au péril de sa vie le royaume d'Irlande ? Que vous semblez avoir grand-peine à tenir sans lui. Eh bien, à présent, il court, votre ami. Il court sans doute vers votre pays. N'ai-je donc pas assez de tracas ? Les Écossais envahissent sans cesse mon royaume. Mes armées s'enfuient. Je n'ai que traître parmi mes vassaux. Mais on a vu. N'est-ce pas, Lancastre ? On a vu à Shrewsbury, à Boroughbridge, ce qu'il en coûtait de se rebeller contre moi. On dirait en effet, sire, mon époux, que les seules batailles que vous pouviez gagner étaient contre vos propres barons. Où sont mes alliés ? Votre frère de France, madame, qui devrait se conduire comme le mien, quel secours m'apporte-t-il ? Il me requiert de venir lui rendre l'hommage pour l'Aquitaine. Voilà son appui ! Et où m'envoie-t-il sa sommation ? En Guyenne ? Non. Ici, en mon royaume, au mépris de toutes les coutumes féodales, pour m'offenser ! Ne croirait-on pas qu'il se prend aussi pour le suzerain de l'Angleterre ? D'abord, je l'ai rendu, cet hommage. Je ne suis que trop allé le rendre. Une première fois à votre père, quand j'ai manqué de retir dans l'incendie de Maubuisson. Et puis encore à votre frère Philippe, voici 3 ans, quand je suis allé à Amiens. Mais dites-moi, madame, à la fréquence où meurent les rois de votre famille, il me faudra bientôt m'installer de l'autre côté de la Manche. Messire de Bouville, vous répondrez à Monseigneur de Valois que l'union qu'il nous a proposée entre la première-née de son 3e mariage et mon fils, le prince de Galles, décidément ne se fera pas. Nous en avons, certes, apprécié tout l'honneur, mais nous avons d'autres vues pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec cette déplorable coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leur épouse en France sans qu'il leur en vienne jamais aucun bienfait. Quand un époux déteste son épouse, il est naturel qu'il la tienne pour responsable de tout. Toute ma garde de la tour enivrée à mort, le lieutenant envolé avec ce félon, et mon constable malade à périr de la drogue dont on l'a abreuvé. Votre si grève est coupable. Coupable de négligence. Coupable de s'être laissé berner. Non ! Ne me dites pas que c'est malchance. La malchance est un péché. Je ne la pardonne pas. Winchester. My lord. Seagrave remplacera le lord de Wigmore en prison. Ainsi, ses successeurs veilleront à faire meilleure garde. Voilà, mon fils, comment on gouverne. Celui qui part trop vous nargue, cher sire, est l'autre félon. Cet évêque Orleton, qui a tout apprêté et qui, son coup fait, est rentré bien benoîtement dans son diocèse. Assurément, il vous redoute bien peu. Je vous annonce, mes lords, que l'évêque Orleton sera traduit devant mon parlement pour y être jugé et condamné.
C'est un homme de grand savoir et d'âme forte, mon cousin. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui, justement parce qu'il est coupable, vous le rallier plus facilement par un acte de mansuétude que par une action de justice qui, entre tous nos embarras, va attiser l'hostilité du clergé. Mansuétude, clémence. Chaque fois que l'on me nargue, chaque fois que l'on me provoque, chaque fois que l'on me trahit, vous n'avez que ces mots à la bouche, Lancastre. Quand j'ai fait prisonnier Mortimer, on m'a supplié de le gracier. J'aurais été plus avisé de le traiter comme votre frère que j'ai fait oxyre. Aujourd'hui, il ne serait pas en train de courir les chemins. Sans doute avez-vous raison, my lord. Et puisque vous régnez depuis 16 ans, c'est que vous devez savoir ajuster vos actes. Traduisez donc votre évêque devant le Parlement. Je n'y mettrai point d'obstacle. La tête est de travers, je le sais, je tiens toutefois à la conserver où elle se trouve. Le méchant homme. Percer les murs d'une tour que j'ai fait moi-même construire pour qu'on ne s'en échappe pas. Peut-être, sire mon époux, vous êtes-vous plus occupé quand vous la bâtissiez de la gentillesse des maçons que de la solidité de la pierre. Tint ! Mon frère, je vous ai fait gardien des cinq ports et gouverneur de Douvres. Que gardez-vous en ce moment ? Pourquoi n'êtes-vous pas sur les côtes pour empêcher notre félon de s'embarquer ? Sire, mon frère, c'est vous qui m'avez donné l'ordre de vous accompagner. Eh bien, à présent, je vous en donne un autre. Rejoignez votre comté. Faites en battre les bourgs et les campagnes. Veillez à ce qu'on visite tous les bateaux. Qu'on mette des espions à bord des bâtiments et qu'on prenne Mortimer. Vif ou mort, s'il vient à y monter. C'est justement conseillé. Quant à vous, my lord chancelier, vous allez regagner Londres en toute hâte, vous irez à la tour, et la prendrez sous votre commandement jusqu'à ce qu'un nouveau constable soit nommé. Eh oui, madame, je vous tiens pour responsable. Responsable. Et d'abord, lâchez cette main. Lâchez la main de Lady Jeanne ! C'est fournir caution à un traître que de mettre tant d'ostentation en garder l'épouse près de soi. Le voilà, le chemin ! De la reine à sa dame de parage, de la dame de parage à l'évêque, de l'évêque aux rebelles. La main que vous teniez tout à l'heure, madame, conduisait l'ordre de l'évasion d'un Mortimer à l'autre. Savez-vous ce que je vais faire, madame? Je vais surveiller votre cassette. Vous avez votre espionne pour cela, sire mon époux. La propre femme de votre amant. Lady le Despenser. Lady Jeanne Mortimer se rendra au château de Wingmore, qui sera désormais placé sous la surveillance de mon frère Kent. Ceci, jusqu'à ce que j'aie résolu ce qu'il me plaira de faire des biens du traître. C'est un ordre, madame. Allons, mes lords. Venez. Qu'on se hâte aux tâches que j'ai données et que chacun veille à son devoir. C'est un joli livre que vous possédez là, madame. Me ferez-vous la grâce de me le prêter? Certes. Certes, la reine vous le prête. N'est-ce pas, madame? Bien volontiers, sire, mon époux. Et je sais ce que prêter veut dire quand il s'agit de votre ami le Despenser. Voilà 10 ans que, selon votre volonté, je lui ai prêté mes perles. Il les porte toujours au cou. Sa chair fait vivre les perles. Je vous en fais présent, my lord. Il ne vous reste qu'à choisir la dame qui vous les bouclera aux pieds. Cela ne tardera guère. Les dames françaises s'enflamment vite pour qui souffre le mal d'exil. Ah, regardez. Messire Ptolomée nous a vus.
Le vieux renard aime à savoir quel gibier vient se prendre dans son piège. Venez, Mylord, montons chez lui. Monseigneur. Ami Ptolomei, je vous conduis une nouvelle fortune. Une nouvelle fortune? Ah, combien va-t-elle me coûter, celle-là? Allons, allons, banquier de mon cœur. Vous n'avez jamais fait faire de mauvais placements. Le seigneur que tu as devant toi est Lord Mortimer, baron de Wigmar. Évadé de la tour de Londres depuis le 1er août. Grand honneur, Mylord, grand honneur. Diable, les nouvelles vont vite. Et comment sais-tu cela? Oh, monseigneur, vous n'ignorez pas que le roi Édouard a une forte dette envers nos compagnies et que celles-ci ont des comptoirs dans toute l'Europe, donc en Angleterre. Lorsqu'on a une créance, on surveille de près tout ce qui peut advenir de bon ou de mauvais aux créanciers. Je ne peux point dire, my lord, que je vous attendais, mais je vous espérais. Que vous avais-je dit, my lord? Ptolomei en sait toujours plus sur vous que vous-même. Oh. Eh bien, puisque tu sais tout, que sommes-nous venus faire chez toi? Sans doute, Mylord a-t-il résolu de s'établir en France. Et il convient donc de lui fournir tout ce qu'il faut à un grand seigneur pour tenir son rang. Mmh. C'est plaisir de t'emprunter, mon noble usurier. Il y a eu conseil ce matin. Hein? N'y a-t-on pas pris une ordonnance d'un grand intérêt? Bon. Peut-être, monseigneur, n'en avez-vous pas été averti? Mylord de Wigmore, ce que le personnage important vous êtes, monseigneur, vous le fûtes toujours, de naissance. Mais depuis que vous êtes devenu le gendre de monseigneur de Valois, vous voilà en posture de tout savoir sur les affaires du royaume. Il y a eu conseil ce matin. N'y a-t-on pas pris une ordonnance d'un grand intérêt? Bon. Ah, ah, ah. Les grands, Mylord. Toujours préoccupés de grandes causes, ignorant souvent les petits effets qu'elles ont sur les petits. Monseigneur de Valois prépare-t-il toujours sa croisade? Toujours. Quel beau chrétien. Oh. Être parvenu à faire payer le pape. Et si cette croisade, en dépit des efforts valeureux de Monseigneur de Valois, ne partait jamais? Quelle aubaine pour le trésor! Et quelle aubaine pour vous, hein? Si Monseigneur de Valois songeait alors à vous rembourser sa dette. Ah oui, quelle aubaine, Monseigneur! Eh ben, pourquoi pas? Ne vous ai-je pas remboursé la mienne? Si fait, Monseigneur. Avec la dot de votre épouse. Que je tenais de mon beau cousin Charles, qu'il avait lui-même emprunté à ma tante Mao, la gueuse, laquelle ne reverra jamais cet argent. Curieux destin que celui de l'or. Il y a eu conseil ce matin. Mmh. N'y a-t-on pas pris une ordonnance d'un grand intérêt? Bon. Ah si, ah. On a débattu du prix des chandelles. Oh. Et défendu de mêler le suif à la cire. Oh. Ah, comme aussi de brasser les vieilles confitures. Avec les nouvelles. L'ordonnance sur la sortie des monnaies doit-elle être prochainement promulguée, monseigneur? Quelle ordonnance? Celle qui interdira de porter hors du royaume monnaie d'or ou d'argent frappée au coin de France. L'ordonnance sera scellée dans 2 jours. Mylord, vous pouvez regarder ma modeste maison comme la vôtre. À ce jour, vous y avez un compte ouvert de 5 000 livres. Faites-moi seulement la grâce, lorsque vous aurez affaire à ma banque, de monter me voir. Vous aurez sûrement à m'instruire de beaucoup de choses, Mylord. Ce qui est agréable avec Messire Ptolomei, c'est l'intérêt qu'il porte à la conversation des personnes de qualité. Mmh. My lord. Faites-moi acheter tout de suite toutes les monnaies d'Angleterre, de Hollande et d'Espagne.
florins d'Italie, doublons, ducats, en bref, toute monnaie de pays étrangers. Et que devra-t-on en faire, messire ? Attendre. Il y aura toujours des pèlerins. Et il leur faudra se fournir auprès de nous, puisque l'or de France n'aura plus liberté de sortir. Après-demain, les monnaies étrangères seront augmentées du quart. Du diable si nous ne parvenons pas, de bouche à oreille, à faire croire qu'elles vont manquer tout à fait et à les faire monter davantage. La croisade ! Voilà 50 ans et plus qu'on ne fait rien de grand en Europe pour le service de Dieu. Depuis mon grand-père Saint-Louis, tout exactement. Lui, du moins, s'y entendait en reconquête des lieux saints. Il gagna le ciel, et il laissa la vie. Sort enviable. N'ayez crainte, my lord, on finira bien par parler de l'Angleterre. Pour l'heure, on justifie l'argent du pape. Mon neveu, Charles le Bel, s'est résolu, sur mon conseil, à rassembler la chevalerie française. Monseigneur de Mortimer, je vais avoir grande nécessité de compagnons vaillants et pieux, tels que vous l'êtes. Monseigneur de Mortimer, je vous le propose tout droit, avec ma franche nature, que vous apprendrez à connaître. Voulez-vous être des miens ? Monseigneur, si l'aide d'un homme qui est le premier parmi les barons des marches galloises, qui a gouverné le royaume d'Irlande et commandé en plusieurs batailles, peut vous être de quelque service, mon sang vous est dès à présent acquis. Ce sera un peu le chevauché, monseigneur de Mortimer, où il faudra vaillance. Les pharaons auront à montrer autre chose que ce qu'ils font en joute. Du soleil ! De l'infidèle à découdre et par Dieu fort sûrement de belles pucelles à rendre enfin heureux. Monseigneur, vous pouvez me tenir comme marchand dans vos rangs. Mais je venais aussi quêter de vous. Je sais, je sais. Robert m'a mis au fait. Vous souhaitez que j'intrigue pour votre cause auprès du roi Édouard. Or donc, mon très loyal ami. Or donc, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que cela ne servirait de rien. Sinon, à m'attirer quelques nouvel outrage. Monseigneur, vous savez quel accueil a reçu le comte de Bouville lorsqu'il a proposé à votre roi Édouard le mariage de ma fille avec son fils. Alors, le voyez-vous à présent, lui demandant de vous restituer vos terres, vous rétablir dans vos titres. Depuis un moment, Charles, je m'interroge. Monseigneur de Mortimer est de trop haute stature pour ne pas savoir que la raison de l'État commande bien évidemment les actes des grands. Édouard réclame du roi la livraison du proscrit. Emmener Monseigneur de Mortimer à la croisade est certes une noble façon de lui répondre. Nous ne commettons pas félonie puisque nous ne le rendons pas. Et en Terre Sainte, nous lui donnons belle occasion de se faire oxyre. Mais qui nous dit que durant que nous romprons des lances dans les sables, le gentil Édouard ne profitera pas de notre absence pour chercher querelle au royaume? C'est loin, Jérusalem. Et puis, on vomit en mer. J'y suis plus faible qu'un nourrisson. Nous avons peut-être un meilleur jeu à jouer. Édouard est préoccupé par ses Écossais, si préoccupé qu'il a oublié de rendre hommage pour l'Aquitaine. Nous avons des armes et de l'or. Défions-le en Aquitaine. Ainsi partirons-nous plus tranquilles ensuite pour la Terre Sainte. Ce serait à coup sûr un bon entraînement pour notre chevalerie. Et pour notre artillerie à poudre. Les Italiens commencent à en faire usage. Et notre vieil ami Ptolémée s'offre à nous en fournir. Défaut d'hommage. Il n'y aura pas forcément combat. On négociera comme de coutume, et puis, en rechignant, l'hommage sera rendu. Charles, quand vous avez été envoyé par votre frère, Philippe le Bel, en Aquitaine, pour y remettre de l'ordre de belle façon, quel était le motif de votre départ ? Une grosse émeute qu'il y avait eue à Bayonne,
où matelots de France et d'Angleterre en étaient venus aux mains et où le sang avait coulé. Eh bien, il nous faut inventer une nouvelle émeute de Bayonne. Des gens des deux rois qui se cognent assez fort et se tuent un peu. Et le lieu pour ça, je crois bien que je le connais. Sarlat. Que le roi de France, co-seigneur de Sarlat, y installe une nouvelle garnison et y entreprenne la construction d'une forteresse un peu menaçante. Que croyez-vous alors que fera le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine? Il donnera ordre à son sénéchal de s'y opposer et d'y envoyer à son tour garnison. Nous voilà tous à la merci de la première rencontre brutale entre deux soldats. La première insulte que subit un officier d'un officier de l'autre camp. Cette malencontre, Charles, on peut la provoquer. J'admire en vérité, mon cousin, qu'un si bon chevalier que vous êtes soit instruit des procédures autant qu'un clerc. Non, ce n'est pas par goût, mon cousin, que j'étais amené à m'enquérir des coutumes de France et arrêts des parlements. C'est pour mon comté d'Artois. Mais puisque jusqu'à ce jour, cela ne m'a point servi, qu'au moins cela puisse servir à mes amis. Il se peut, Monseigneur de Mortimer, qu'avant longtemps, nous marchions ensemble vers l'Aquitaine. Je ne recevrai pas Maltravers. Je ne veux pas qu'il sache ce qu'est devenu en exil baron de Wigmore. On m'habille, on me nourrit, bien mal. Et voici des semaines qu'on me dupe de fausses promesses. Je sais bien que, sitôt que je suis sorti, on reçoit l'évêque mandé par Édouard pour me perdre. Malheureuse Angleterre. Le sire de Maltravers arrive de Londres, my lord, pour vous rallier. Que voulez-vous que je lui dise? Ici, je suis prétexte à intrigue, à marchandage, que le roi ne règne pas, que Monseigneur de Valois parle de croisade pour remplir ses coffres, que Monseigneur d'Artois se sert de ma présence pour monter ses propres machinations. Et durant ce temps, l'Angleterre se morfond. Et la reine Isabelle est en péril de mort. Et l'expédition d'Aquitaine, Monseigneur? Elle se fera comme la croisade, c'est-à-dire jamais. My lord. Vous ne l'avez point apporté avec vous. Quoi donc, Monseigneur? L'odeur d'herbe mouillée. L'Angleterre. Comment va-t-elle? Mal, my lord. Et la reine? Certains disent que les Despensers vont la faire assassiner. Vous devez d'agir sans délai auprès du roi Charles, son frère, my lord. Le roi Charles. Tout ce qu'il trouve à faire lorsqu'il consent à me recevoir, c'est de me demander combien ma femme m'a donné d'enfants. De me le demander chaque fois. Et votre épouse, Maltravers, comment se porte-t-elle? Je viens d'apprendre que le roi Édouard, sachant que je vous avais rejoint, a ordonné qu'elle quitte Londres et soit transférée. Je n'ose pas dire emprisonnée dans son château de Skipton. Et tout cela à cause de moi? Surtout à cause de ces escarmouches en Guyenne. Chacune d'elles est un prétexte au roi Édouard pour tourmenter davantage vos partisans. La reine ne vous a chargé d'aucun message pour moi? Si, my lord. Je l'ai appris par cœur. Que Monseigneur de Mortimer sache qu'il ne me reste plus en propre que la vie. Et je crains fort qu'on s'apprête à me l'ôter. Hâtez mon frère à ma défense. Charles ne bougera pas. Fût-ce pour préserver la vie de sa sœur. Le roi de France accepte la guerre, mais chez lui. Le destin de l'Angleterre passe par l'Aquitaine. Il faut amener le roi Édouard à y faire débarquer un corps de bataille. Qu'il livre combat et qu'il le perde. Oui, qu'il le perde. C'est ainsi que nous sauverons notre malheureux pays. Une défaite anglaise? Une défaite d'Édouard.
Le salut de la reine est à ce prix. Le 9 juillet 1324, le roi de France décide la confiscation de l'Aquitaine et du Ponthieu pour révolte et défaut d'hommage. Aussitôt, le roi d'Angleterre envoie le jeune comte de Kent sur le continent pour y exercer dans le duché la lieutenance en son nom et y lever des hommes. Il ne connaît pas la chaleur des étés bordelais. Le voici accablé, au château de l'Aréole, cherchant la fraîcheur du dallage. Le 1er août, fête de Saint-Pierre-des-Liens, Charles de Valois s'est mis en route pour courir sus aux Anglais. Il est superbe, la narine frémissante à l'odeur de la poudre. La poudre, car les Français, grâce à Ptolemy, ont des bouches à feu. Et l'Aréole va entendre le premier coup de canon dans le ciel de France. Son fils Philippe l'accompagne. Ainsi que le connétable Gaucher de Châtillon. Le comte Robert d'Artois. Et Roger Mortimer. Monseigneur. Oui. Monseigneur le comte de Kent juge inacceptable la sommation que vous lui avez faite de se rendre. Nous allons lui faire changer d'avis. Boum ! C'est cette salue de bombarde. Une idée italienne. Bombarda ! À cause du bruit. Boum ! Une arme de guerre, c'est un côté qui fait mal. Toujours dirigé vers l'ennemi. Là, on se méfiait du recul. Moi, quand on m'a désigné pour allumer la poudre avec une longue broche de fer rougie au feu, je me suis dit, tu pourrais faire un beau mort, bonhomme. Eh ben non. Ça a tenu. Peut-être à cause de la caisse de bois qu'on avait faite autour, avec des madriers épais comme ma cuisse. Quand le boulet de 100 livres est parti, je me suis jeté à plat ventre, et l'arrière de la bombarde avec moi. Tous les deux, on s'est enfoncé d'au moins 10 cm dans le sol. Mais on a tenu. Et en face, ils tiendront pas. Et cela dure depuis 11 jours. Des renforts, nulle nouvelle ? Je rien, monseigneur. Le roi d'Angleterre, pardonnez mon propos, nous a abandonnés. Du moins, nous aurons eu la satisfaction, par notre sortie du premier soir, d'avoir taillé en pièces quelques Français surpris au gîte. L'Hôtel Dieu regorge de malades et de blessés. La ville est sans vivre, sans eau, sans toit. En outre, monseigneur, oui, la population gronde. Nous sommes ici dans un pays de vignobles, et il devient urgent, devant un danger, sous peine de voir pourrir sur cèpe la récolte. Les jurands, encouragés par les propriétaires et les négociants, menacent de se révolter contre nos soldats pour obtenir la reddition. Votre conseil, messire Sénéchal ? Faut céder, monseigneur. Avez-vous une bannière blanche ? Oui, monseigneur. Bien, faites-la hisser au sommet du château. Nous, gauchers, connétables de France, assurons qu'il n'y aura ni pillage, ni prisonniers. Le comte de Kent remettra le duché d'Aquitaine entre les mains de monseigneur de Valois, qui, de surcroît, le prie à dîner. Messeigneurs, à nos deux royaumes, à l'Angleterre ! À l'Angleterre ! À la France ! À la France ! Mylord, un mot. Avez-vous grande inclination à retourner si tôt en Angleterre ? Retourner pour affronter le roi Édouard, votre frère, dont vous connaissez assez bien l'injustice et qui vous fera grief d'une défaite que les Despensers vous ont ménagée. Car vous avez été trahi, Mylord. Vous ne pouvez l'ignorer.
Nous savions que des renforts vous étaient promis qui ne sont jamais partis d'Angleterre. Ne vous surprenez pas de me voir si bien renseigné. Je le dois au banquier Lombard. Savez-vous pourquoi on vous a trahi ? Vainqueur ici, vous preniez trop d'importance dans le royaume et deveniez redoutable pour les Despenser. Voilà la raison de leur trahison, my lord. Comprenez-vous à présent qu'il m'est fallu, voici 3 ans, me rebeller contre le roi. Je le faisais pour l'Angleterre et pour le roi, contre le roi lui-même. Et savez-vous ce qui vous attend si vous rentrez ? À peine arrivé, vous serez accusé de forfaiture et jeté en geôle. Oui, je commence à le craindre. My lord, il vous suffit de vous offrir pour premier otage. Sous la garantie, bien sûr, que vous aurez traitement de prince. C'est d'ici, d'ici seulement, que nous pouvons sauver le royaume d'Angleterre. Le royaume ou la reine ? L'Angleterre. My lord, les grandes actions se décident en peu de temps. Combien m'en accordez-vous pour celle-ci ? Point besoin de temps, my lord. Vous avez déjà décidé. Jean 22. Le conclave de Lyon croyait avoir eu la malice d'élire un pape de transition. 8 ans ont passé. De son palais d'Avignon, l'ex-cardinal Duez, ce vieillard fragile, ce moribond sitôt ressuscité, témoigne sous la tiare d'une grande persévérance à vivre et d'une non moins grande inclination à gouverner. Toutes les affaires de la chrétienté passent par le creux de sa main. Ses parents, jusqu'aux cousins issus de Germain, logent auprès de lui et partagent ses repas. La cuisine pontificale est somptueuse. Le vin d'Arbois coule comme de l'or dans les timbales. Les crus de Bourgogne, du Lot et du Rhône accompagnent les meilleurs fromages. Pour sa part, le Saint-Père se contente de grignoter une cuillère de pâté de brochet et de sucer un gobelet de lait. Ne s'est-il pas mis en tête d'accorder sa nourriture à son vêtement et de ne plus prendre que des aliments blancs ? Ainsi, messire de Bouville, monseigneur de Valois, a conseillé au roi de France, son neveu, de solliciter mon arbitrage dans cette méchante affaire d'Aquitaine. Il ne pouvait choisir meilleur messager. Très Saint-Père, rien de grand, rien de juste ne peut être tenté et à coup sûr réussi sur cette terre qui n'est votre bénédiction ou à tout le moins votre permission. La cour de France a suivi avec beaucoup d'attention le concile de Valladolid où il a été ordonné que les clercs eussent acquitté leur concubine. Eh oui. Nous leur avons donné 6 mois pour se délivrer des liens du péché. Et pour les y encourager, nous avons prévu, après 2 mois, de les priver du tiers de leurs bénéfices, s'ils n'y étaient parvenus. Du second tiers après 4 mois et du tout après 6. Mais d'où vient, très Saint-Père, qu'une punition plus forte ait été décrétée contre les prêtres dont les concubines ne sont pas chrétiennes ? L'Espagne, messire comte. Les mauresques sont moins gênés que d'autres pour forniquer avec la tonsure. Il nous fallait donc augmenter nos tarifs. La trêve signée par le comte de Kent à la Réole n'arrive-t-elle pas à expiration en ce mois de décembre ? Si, très Saint-Père. Il faut savoir à monseigneur de Valois qu'il nous déplairait de lui voir utiliser les 400 hommes d'armes et les 1000 arbalétriers que le roi Charles lui a envoyés en renfort à Bergerac, si nos renseignements sont bons. Il le chantre, Saint-Père. D'autre part, nous inviterons impérativement le roi Édouard à présenter dans les plus brefs délais l'hommage au roi de France. Nous écrirons à la reine Isabelle pour la conjurer d'employer toutes ses forces
à rétablir la concorde entre son frère et son époux. Et la croisade, très Saint-Père. Monseigneur de Valois est-il toujours aussi ferme sur cette croisade? Il nous revient de toutes parts que les morts sur les rivages... Oui, je sais. Je sais aussi que Monseigneur de Valois, que j'aime d'un amour très paternel, nous a fait consentir la dîme pour cette croisade et qu'il s'en est servi pour confisquer l'Aquitaine. Oui, très Saint-Père. Il a semblé au comte de Valois, comme au roi Charles, que vous étiez sensible à l'honneur que la chrétienté... Vous direz à Monseigneur de Valois que nous renonçons à la croisade. Je sais, Monseigneur, un fils très respectueux des décisions de la Sainte Église. Je suis sûr qu'il s'inclinera. Je ne doute pas, très Saint-Père, que Monseigneur de Valois ne vous obéisse, mais... Combien? Comment? Combien faut-il à Monseigneur de Valois pour s'estimer remboursé des frais qu'il a déjà engagés et du dépit d'avoir pour rien engagé l'autorité de sa personne? Très Saint-Père, Monseigneur de Valois ne m'a pas chargé de répondre à cette question. Mais si. Il ne vous en a peut-être pas parlé, mais il savait bien que je vous la poserais. Alors combien? C'est-à-dire, il a déjà beaucoup avancé aux chevaliers de ses propres fiefs afin d'équiper leurs bannières. Combien? Il s'est préoccupé de cette nouvelle artillerie à poudre. Beauville. Je ne vous demande pas le compte des arbalètes. Alors? 100 000 livres. C'est son chiffre. Qu'il le prenne aux Florentins, aux Siennois ou au roi d'Anjou. C'est un très grand seigneur et un bien gros larron. Allons, portez-lui la bonne nouvelle, il aura ses 100 000 livres. Oh, Bouville, mais vous ne m'avez pas parlé de ce jeune Siennois, Guccio Baglioni, dont je fis mon damoiseau. Qu'est-il devenu? Je ne sais, très Saint-Père, je ne sais. Il est reparti pour son Italie natale. Hein? Je suis surpris que ce Baglioni, protégé par vous, protégé par moi, et exerçant le métier d'argent, n'en ait pas profité pour faire sa fortune. Et l'enfant qu'il devait avoir, est-il né, a-t-il vécu? Il est né, très Saint-Père, et il vit quelque part à la campagne avec sa mère. Ah, sa mère. Sa mère n'était-elle pas la nourrice du petit roi posthume qui vint à Madame de Hongrie? Oui, très Saint-Père, oui. Je crois en effet que c'était elle. Comment ça, Bouville, vous croyez? N'étiez-vous pas curateur au ventre à l'époque? Si, très Saint-Père. Ah, messire de Bouville, j'ai été très heureux de vous revoir, et je ne sais, vu mon grand âge, si cette joie me sera accordée une prochaine fois aussi, avant votre départ. Je veux vous faire la plus grande grâce que je puisse accorder à un chrétien. Je veux vous entendre en confession. Péché de chair? Certainement, puisque vous êtes un homme. Péché de gourmandise? Vous êtes gras, Bouville, hein? Non. L'essentiel est d'avoir bien rempli l'état particulier où Dieu vous a placé en ce monde, car c'est en ce domaine que les fautes nous sont le plus sévèrement comptées. Vous avez été, mon cher fils, chambellan d'un roi et chargé sous 3 autres des plus hautes missions. Avez-vous toujours été bien exact dans l'accomplissement de ces devoirs? Je dois m'accuser d'avoir échoué en certaines missions que j'aurais pu mener à bien. Voilà, très Saint-Père, c'est cela. Je n'ai pas toujours eu l'esprit assez délié, et je me suis parfois aperçu trop tard d'erreurs que j'avais commises. Erreur n'est pas péché. Mais avez-vous souvenir de fautes plus graves, telles que... homicide? Faux témoignage. Allons, mon fils, voilà l'occasion de vous purifier parfaitement là. Confessez-moi ce secret qui tant vous pèse, mon cher fils. Ce secret?
Certes, il me pèse. Comment n'ai-je pas songé plus tôt, très Saint-Père, à vous le confier? Voilà. Ce fut après la mort de Louis Xe, fils aîné de mon maître Philippe le Bel. Et le pauvre Bouville conta tout au pape. Le lourd secret qui lui pesait tant, surtout depuis que son épouse, rappelée à Dieu, l'en avait laissé seul dépositaire, il le lui confia. Jean XXII apprit ainsi la substitution de Jean le Posthume et de l'enfant de Guccio Baglioni et de Marie de Crécé, et le rôle criminel qu'avait joué en cette affaire la comtesse Mao d'Artois. Si je me suis tue, très Saint-Père, c'est surtout sur le conseil de ma défunte épouse, puisque j'avais manqué le bon instant de confondre la meurtrière. N'allais-je pas, en révélant la vérité, conduire Madame Mao à s'acharner sur le petit roi? Et ne fallait-il pas se taire pour le sauver? Ce fut donc l'enfant de la nourrice que l'on inhuma à Saint-Denis parmi les rois. Apaisez-vous, Bouville. Votre secret, je le prends à mon compte. Oh, très Saint-Père, merci. Comme il est beau. Il ressemble. Et à ses cheveux, à elle. Alors, elle a refusé de te recevoir. Oui, mon oncle. Et si j'allais la trouver, puisque sa famille est d'accord, peut-être pourrais-je obtenir de Marie qu'elle accepte la régularisation de votre mariage. J'aimerais tant garder cet enfant. Non, mon oncle, c'est moi qui ne veux plus d'elle. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Hein? Alors tu pars. Oui, mon oncle. Je retourne à Sienne, avec mon fils. Hélas, la vieillesse, Gucci. La vieillesse. Mon Dieu, un vrai petit prince. Un vrai petit prince. Allez-vous-en vite. Pour lui, vous ne pouvez mieux faire. Je veux qu'il ne vous arrive aucun mal. À vous et à cet enfant. Adieu, mon petit prince. Adieu, mon roi. Sur le chemin de l'Italie, Guccio Baglioni s'imaginait enlever son fils. Il volait en fait le tenant réel et légitime du trône de France. Et ce secret sera conservé entre un souverain pontife, un vieux chambellan fidèle, et une jeune femme, Marie de Crécé, qui, désespérée, aura renoncé à son amour pour tenir son serment. Mortimer a réussi. Isabelle est en France avec le prince de Galles afin de rendre au nom d'Édouard l'hommage pour l'Aquitaine. Charles IV, le Bel, la reçoit à Maubuisson. Il est remarié, mais a-t-il pardonné à la coupable, Blanche? Votre frère Charles l'aurait sans doute reprise. Il nous l'aurait imposé pour reine. Si, par malheur, par bonheur plutôt. La douce Blanche, l'année avant que Charles devint roi, se fit engrosser en sa prison par le geôlier. Et Mao, ma bonne gueuse de tante, a dû se résigner à l'annulation du mariage de sa fille. Pas facile à obtenir l'annulation, comme vous le savez. L'adultère n'y suffit pas. Il fallut fonder la demande sur le manque de discernement de Charles pour exprimer son vœu quand il avait choisi son épouse. Ce fut un très beau spectacle. Tour à tour, de votre oncle Valois à la dernière des chambrières, chacun sous serment, et m'eût déclaré qu'à l'époque, Charles était incapable, simple et imbécile. Jamais on ne vit roi de France maltraité de si jolie façon. Il n'a pas changé, ma cousine. Oison il était, oison il est. N'attendez pas d'aide de lui. Êtes-vous toujours aussi chaste, ma belle cousine? J'y ai bien été forcée. S'il vous met à l'esprit de changer de coutume, n'oubliez pas que je suis là, ma cousine, avec les mêmes sentiments qu'hier. Et...
Je vous sauverai, madame. Je chasserai ces maudits dispensaires qui vous ont fait tant de mal. Je vous offrirai leur tête. Et vous serez reine. Ma reine. Avez-vous jamais aimé le roi Édouard, madame? Ami Mortimer, vous rappelez-vous le lait du chevalier de Graelent? C'est dans un livre de Marie de France que l'on a volé comme tout le reste. Graelent était chevalier si fort, si bellement loyal. Et son renom était si grand que la reine de ce temps-là s'est prise de lui sans le connaître. La première fois qu'elle fut seule avec lui, elle lui dit simplement « Ami Graelent, je n'ai jamais aimé mon époux. Mais je vous aime. Autant qu'on peut aimer. Suis à vous. Vous me demandez si j'aime le roi. Je le hais. Pendant des années, je me suis contentée de le mépriser. À présent, je le hais. Et savez-vous pourquoi? Si, il faut que je vous le dise. Édouard est un monstre. Il a voulu de moi un dernier enfant. Pour vaincre la répugnance qu'il éprouvait à partager ma couche, il exigea que Hugh Despenser, son amant, l'accompagnât jusqu'à mon lit. Et je dus attendre qu'il se fût suffisamment caressé et mignoté avant que de le subir, lui. Et je crus en mourir de dégoût. Et jamais vous ne vous êtes abandonné à d'autres bras? Jamais. Pas même à votre cousin, Robert d'Artois? Robert. Tout gibier lui est bon. Reine ou truande, pour lui, c'est tout un. Non, mon ami. Mon cœur est désolamment vide. Depuis longtemps. Très longtemps. Oh, madame, c'était fou. Fou de ne pas oser plus tôt. Fou de ne pas vous dire. Que dire? Depuis la première fois que je vous ai vu, ma vie n'a eu d'autre lumière que celle de vos yeux. Je me suis rebellé contre le roi par amour de vous. Savez-vous, madame, que depuis que j'ai pris pied sur la terre de France, j'ai fait vœu de me vêtir de noir tant que je n'aurai point retrouvé l'Angleterre et de ne toucher femme avant de vous avoir délivré. Et vous avez tenu ce vœu? En doutez-vous? Non. Nous n'avons pas le droit. Nous avons chacun contracté des liens devant Dieu. Ni vous ni moi n'avons été mariés par notre vouloir. Nous avons prononcé serment, mais point obéi à la volonté de notre cœur. Ma reine. Voulez-vous que nous échangions notre sang? Qu'à jamais je sois votre soutien et qu'à jamais vous soyez ma dame. Je me livre à vous. Vous pourrez tout exiger de moi, selon votre gré, et ne me donner en échange de vous-même que ce qu'il vous plaira. Regardez. Je puis m'étendre auprès de vous et ne point vous toucher si vous me l'interdisez. Même si j'étais nu. Et si tu étais nu. Le sang. Où veux-tu que je le tire? Au doigt, au front, au cœur?
et je vous livre mon cœur. Je prends le vôtre qui me fait vivre. Ami, je le retiens. Avec la promesse de le garder au lieu du mien. Quand le petit matin se leva, Isabelle, encore frémissante, se souvint soudainement d'un cri, celui qu'avait poussé Marguerite de Bourgogne en ce même château de Maubuisson. Et moi, j'ai eu le printemps, l'amour d'un homme, sa chaleur, son odeur, sa force. Dans son château du Perret, immobile au creux d'un siège, la conscience partie, accablée de chaleur sous les couvertures dont on croyait bon de l'étouffer, Monseigneur Charles de Valois attendait la mort. Comme l'avait été 11 ans plus tôt son frère Philippe le Bel, il venait d'être frappé à la tête dans les rouages mystérieux du vouloir. L'empereur titulaire de Constantinople, le vicaire de la chrétienté, le comte de Romagne qui avait rançonné Sienne, ruiné Florence, exilé Dante et empli si longtemps l'Europe de ses tapages, Monseigneur de Valois, abandonné de tous, était reclus dans son corps comme dans un tombeau. Seul Robert d'Artois, qui parcourait fréquemment les étriers chaussés à fond la route du Perret, venait encore rendre visite à son beau-père agonisant, dont la mort, si elle devait le priver d'un précieux appui, ferait de lui toutefois le plus grand seigneur du royaume. Chaque prince qui meurt est plus pauvre homme que le plus pauvre serf de son royaume. Dans le temps où mourait Monseigneur de Valois, Charles IV réunissait un conseil à l'abbaye de Chalice pour traiter des affaires d'Angleterre. Le roi Édouard II exigeait le retour de sa femme et de son fils. Cher Chemon, refaites-moi lecture de cet endroit où notre frère Édouard se plaint de Messire de Mortimer. L'adhérence de notre femme et de notre fils Édouard, qui l'a rejointe en France, avec nos traîtres et mortels ennemis notoirement connus, en si grande honte de nous... Que voilà la lettre bien mal écrite. Ce qui a produit, sire, une si grande ire au cœur du roi Édouard paraît bien être que Monseigneur de Mortimer ait tenu le manteau du duc d'Aquitaine lors du couronnement de Madame la Reine. Le roi d'Angleterre s'estime offensé qu'en une telle circonstance, le roi de France ait cru bon de désigner un rebelle pour tenir le manteau du duc de Kent, son frère. Offense ! Un roi nature, un sodomite ! Offense ! Cherchemont. Quel droit avons-nous de nous opposer à la requête de notre frère d'Angleterre lorsqu'il nous enjoint de supprimer ses jours à son épouse? Il est certain, sire, que selon les lois à la fois de l'Église et des royaumes, il faut, de quelque manière, donner apaisement au roi Édouard. Il réclame son épouse... Notre Saint-Père le Pape nous a lui-même fait porter un message en ce sens. Votre conseil, Monseigneur Jean? Une épouse doit vivre auprès de son époux. Il faut donc que Madame ma sœur s'en reparte vers son pays de mariage. Sire Charles, mon cousin, vous savez ce que ça signifie. C'est livrer Madame Isabelle pieds et poings liés au dispenser. Elle est venue auprès de vous chercher refuge parce qu'elle redoutait déjà d'être oxyse. Que sera-ce à présent? Ma sœur s'est peut-être agrandi le danger. Ces dispenser ne paraissent pas de si méchants gens qu'elle le croit. J'ai reçu d'eux plusieurs lettres fort agréables et qui montrent qu'ils tiennent à mon amitié. Et des présents aussi. De belles orfèvreries. Sir Charles, mon aimé cousin, avez-vous, pour 3 saucières de vermeil qui manquaient à votre buffet, changé de jugement au sujet de ces gens qui vous ont fait la guerre et qui sont comme bouc à chèvre avec votre beau-frère? Nous avons tous reçu des présents de leur part. N'est-il pas vrai, monseigneur? Et vous, cher Chemont,
Et toi, Philippe? Tout cela ne coûte guère au dispensaire. Ils le prennent sur les revenus du comté de Cornouailles, qu'on a saisi à votre sœur. Et quelle loyauté pouvez-vous attendre d'hommes qui se déguisent en femmes pour servir les vices de leur maître? N'oubliez pas ce qu'ils sont et où siège leur puissance. Siège. Siège, voilà le mot juste. Char. C'est la première fois que je vous vois depuis que ma fille Blanche est morte. Elle vous aimait, Charles. Moi aussi, ma mère. Je l'ai bien aimée. Sire, mon fils, je vois que comme je vous y inclinais, vous avez décidé de trancher le cas d'Isabelle. Je sais l'amour que vous portez à votre sœur et combien vous devez souffrir en ce moment. Mais n'oubliez pas, Charles, qu'il s'agit du bonheur et de la paix du royaume. Ils ne doivent plus être mis en cause pour une mauvaise femme dont tous nous pâtissons, ou nous avons pâti. Et les femmes, que diable! Et son mari n'est pas homme. C'est lui le vrai coupable. Voyez l'exemple qu'Isabelle donne à votre cour depuis qu'elle s'y trouve. Et songez que c'est la même femme qui fit naguère pleuvoir mensonges et calomnies sur mes filles. Et sur la sœur de Jeanne, ici présente. Elle nous a tous souillés à plaisir. On en connaît aujourd'hui la raison. La malheureuse prêtait aux autres les tourments et les désirs qu'elle avait dans la chair. Je l'atteste à sa place, puisqu'elle vient de rejoindre Dieu. Blanche était pure, elle était innocente. Innocente? Alors c'est le Saint-Esprit qui l'a engrossée dans sa prison. Qui vous dit qu'elle n'a pas été prise de force, ma Blanche? De force, ma tante. Moi aussi, je suis en prison. Autant pour vous plaire, votre gendre Philippe Lelong m'y plaça. Je n'ai pas pour autant engrossé la femme du geôlier, ni ne me suis servi du porte-clés pour épouse, comme cela se pratique notre famille anglaise. On a étranglé sa cousine Marguerite dans la même prison. On peut bien l'avoir violée, elle. Non, Charles, puisque vous m'avez appelé à votre conseil. Nul ne vous a appelé, ma tante, vous êtes venue de vous-même. Ce conseil, je vous le donne d'un cœur de mère qui a beaucoup saigné. Chassez votre sœur de France. Toutes les fois qu'elle y est revenue, la couronne a connu un malheur et je tremble depuis qu'elle est de retour. Vous attendez un enfant qu'on espère mal, puisqu'il vous faut donner un roi à la France. Alors je vous le dis bien, sire, mon fils, tenez cette porteuse de malheur loin du ventre de votre épouse. Ma bonne tante, comme vous en oubliez les malheurs. Ou alors, considérez-vous que c'est dans son point? D'abord, quand notre cousin Hutin a trépassé. Puis quand son fils, le petit Jean le posthume, s'est éteint tout d'un coup dans vos bras. Vous étiez là, certes, les deux fois. Mais Isabelle, où était-elle? Parmi les barons assemblés? Dans la chambre de Louis? Peut-être que la mémoire me manque. Je ne la revois pas. Ma bonne tante. Ne nous égarons point. Et revenons, mes seigneurs, au sujet pour lequel le roi, notre sire, nous a mandé. Il faut prendre décision, sire. Demain matin, ma sœur sera conduite au port de Boulogne pour y être embarquée et ramenée sous escorte à son légitime époux. Je le veux ainsi. Bon rêve à vous, Monseigneur Robert. Et que faites-vous dans la gentille garce? C'est belle nuit que voici. Et c'est pitié que de s'aller coucher seul. Le sommeil vient mal en la chaude saison. Ah oui. Belle Béatrice, j'ai affaire. Une autre fois. Allez donc plonger ça au frais dans l'étang. Sinon, vous allez flamber.
Debout, mes bons amis, debout. Il faut fuir sur l'heure. Sinon le roi, votre bon frère, vous embarque demain de force pour l'Angleterre. Allez, debout. Tournez-vous donc, mon cousin, que je me vête. Alors quoi, ma cousine? Pas de récompense? Ce coquin de Roger veut donc tout garder pour lui? Soit, je me tourne. Emmenez le jeune Édouard avec vous, et tous ceux qui vous sont fidèles, mais peu de monde, pour ne pas vous ralentir. Piquez vers le Hainaut, où je vais dépêcher un chevaucheur qui vous précédera. Notre ami de Kent vous rejoindra en se détournant par le Pontieu, afin de rassembler tous les chevaliers que vous avez là-bas. Et puis, à la grâce de Dieu! Grossissez vos troupes, faites votre possible, battez-vous! Je suis en train de vous devoir la vie, mon cousin. Hein? Si le royaume de France était si gros morceau, je ne veux pas laisser champ libre aux mauvaisetés de ma tante. J'irai volontiers avec vous. Allez! Vogue, ma belle cousine. Vogue vers l'Angleterre. Le roi ne tardera pas à apprendre que tu t'es envolée avec ton bel amant. Mais tu seras déjà hors d'atteinte. Moi, Jean de Hainaut, votre chevalier, prêt à mourir pour vous quand même tout le monde vous ferait faute, je vous avais promis de vous reconduire, vous et monseigneur votre fils, par-delà la mer, en votre état d'Angleterre. Nous y voici, madame. Ne plaise à Dieu que jamais la reine d'Angleterre n'ait à ployer le genou devant quiconque. Moi et mes chevaliers, leurs écuyers, leurs valets, en tout 2000 hommes à ma solde, faisons serment de vous rendre votre trône ou de trépasser. Messire de Hainaut, je vous dois tout, et en premier lieu d'être ici. Lord Mayor d'Anwick, nous sommes ici pour aider le roi Édouard à se défaire des mauvais conseillers dont j'ai mis son royaume et pour remettre la reine en l'état qui lui est dû. Nous n'avons donc point d'autres intentions que celles inspirées par la volonté des barons et de tout le peuple d'Angleterre. Où est le roi, mon frère? J'ai entendu dire qu'il était à Londres, mais j'ai entendu dire aussi qu'il était à Portsmouth. Avez-vous connaissance de mouvements de troupes dans les parages? Non, monseigneur. Messire de Hainaut, combien de temps va prendre le débarquement de vos chevaliers? 3 grosses journées pour qu'ils soient constitués en ordre de marche. Mais alors? Auriez-vous un endroit sûr à nous proposer pour nous y retrancher? L'abbaye de Walton, my lord. En avant. C'est la chasse au roi qui commence. Elle sera terrible. Les poursuivants ont le goût du sang sur les lèvres. À Londres, une dernière fois, Édouard, devant ses lords assemblés, s'essaye à être roi. Mes lords, je vous ai convoqué ici, à la tour de Londres, d'où tout le mal du royaume est venu lorsque Mortimer le Félon s'en est échappé pour se rebeller contre la couronne. À présent, il a débarqué avec d'autres traîtres. Par la violence et à la tête de troupes étrangères, ils veulent renverser le pouvoir royal. Mon compagnon, Hugh le Despenser, père de mon ami et conseiller, a été pris à Bristol, traîné à travers les rues par un cheval, puis décapité. J'ordonne à tous mes sujets de courir sus aux rebelles, de s'opposer par tous les moyens à leurs entreprises et de les détruire. Seuls doivent être épargnés la reine, son fils et le comte de Kent. À quiconque m'apportera le cadavre de Mortimer, ou seulement sa tête, il est promis récompense de 1000 livres sterling. Main dans la main de son favori, le souverain devenu gibier s'enfuit et va tenter de lever une armée. Point d'armée. L'Angleterre est devenue le terrain d'une longue chasse à cour. Édouard tente de gagner l'Irlande. Les vents contraires l'en empêchent. De fuites en refuites jusqu'au bout du pays de Galles, au fond d'une abbaye, le Despenser et lui, cachés sous des habits de moine, attendent l'Alali.
Sire, mon cousin, je vous retrouve enfin. Le temps est venu de payer vos fautes. Cousin, que va-t-il advenir de moi? Ce que les barons et aux hommes du royaume en décideront. Mylord Spencer, j'ai ordre de vous conduire auprès de la reine. Oh non, pas ça! Vous ne me l'arracherez point! C'est ton épouse, tu vois. Elle se venge. Ne les laisse pas faire. C'est elle. C'est cette loupe française qui est cause de tout. Ah, Edouard, ah, pourquoi l'as-tu épousée? Alors, il faut vous séparer. Adieu, adieu. Adieu. Je ne te verrai plus, ma chère vie. Ma belle âme. Comme il est beau, la demoiselle. Pauvre petit Hugh, il a perdu son roi et ses comtés. On va lui en peindre les armes sur son joli corps. Lâche-toi. Ne fais pas ta prude. Le roi aussi t'a demandé de te mettre à genoux. Et tu l'as fait pendant des nuits. Condamné à mort, le supplice du dispensaire fut l'objet de raffinements particuliers. Parce qu'il avait été sodomite et qu'il avait favorisé le roi en sodomie et pour ce déchasser la reine de sa couche, il eut le sexe et les génitoires tranchés. Les déchets furent jetés dans un fourneau plein de braises ardentes qu'un aide éventait. Parce qu'il avait été faux de cœur et traître, et par ses traîtres conseils avait honni le royaume, on lui fendit la poitrine. Des tenailles allèrent chercher le cœur encore battant pour le jeter dans le brasier. Les yeux brillants, les ongles plantés dans la paume de son amant, Isabelle attentive ne perdit rien de sa vengeance. Cette nuit-là, les exigences qu'elle eut au plaisir ne manquèrent pas d'impressionner Mortimer. Pour avoir haï si fort l'homme qui lui avait pris Édouard, il fallait qu'elle eût jadis aimé celui-ci. Et dans l'âme ombrageuse de Mortimer commence à se former un projet qu'il mènera à son terme quelque temps que cela prit. À me dire, Mylord, Sire Édouard, le Parlement vous somme respectueusement de déclarer votre renonciation au trône et à l'hommage de vos vassaux. Il vous somme de donner votre agrément à la désignation de votre fils Édouard, prince de Galles, comme souverain d'Angleterre et à nous remettre les insignes rituels de la royauté. Vous avez la couronne en vos mains, Mylord, et me tenez à votre merci. Messire traître, mauvais évêque, faites donc ce qu'il vous plaira, mais de par mon consentement, point! Agissez par force et montrez qu'un homme d'église a contre un roi! Sire, le peuple d'Angleterre ne veut plus de vous pour roi, et votre fils ne veut accepter sa couronne que de votre gré. Si donc vous vous obstinez au refus, le peuple sera libre de son choix et pourra élire, comme souverain prince, celui parmi les grands du royaume qui le contentera le plus. Et ce roi pourra ne pas être de votre lignage. Mortimer, peut-être. Monseigneur Orleton a justement parlé. Il vous faut renoncer, mon cousin.
pour rendre la paix à l'Angleterre et pour que les Plantagenets continuent d'y régner. Mylord, je sais, Mylord, que c'est par ma propre faute si je suis tombé à si grande misère. Je ne puis m'empêcher de souffrir un lourd chagrin de toute cette haine de mon peuple, que je ne haïssais point. Vous êtes bon, Mylord, très bon, de garder dévouement à mon fils aîné, de n'avoir point cessé de l'aimer et de le désirer pour roi. Je renonce devant vous à tous mes droits sur le royaume. Prenez-la, Mylord, pour un saint de mon fils. Et vous aussi, accordez-moi pardon des maux et injustices que je vous ai causés. Priez pour moi, Mylord. Qui ne suis plus rien. Cela ne suffit pas. Édouard n'est plus roi. Il reste encore le calvaire et la dérision. Réduit à n'être plus qu'un animal, Édouard commet un dernier acte impardonnable. Il vit. Impute-toi, mort au gîte depuis des jours. Il part en lambeaux, tu vas voir comme ils s'en vont. De la bonne venaison pour le crétin. Tes parents t'ont bouffé, Édouard. Un bon paquet qu'on t'a préparé. C'est qui se l'a pu, lui aussi, le gâteur. Si ça avait un peu de décence, ça se jetait dans le trou. Charogne, avec charogne. Pourtant, lui a ménagé une oubliette. Il n'aurait que la peine de s'y laisser glisser. Mais ça veut vivre. Une année entière à pourrir. Il ne se décide pas à crever. Bel époux que vous avez là, madame, et dont la vie met en péril celle du royaume. On continue de conspirer pour sa délivrance dans les manoirs de Galles. Les Dominicains ont le front de prêcher en sa faveur à Londres. Il n'est guère dangereux par lui-même, je vous l'accorde, mais il est le prétexte à l'agitation de nos ennemis. Veuillez enfin, je vous en prie, émettre cet ordre que je vous conseille, et sans lequel il n'y aura jamais de sécurité, ni pour vous, ni pour votre fils. Gentil Mortimer, je vous ai déjà répondu qu'on n'obtiendrait pas cet ordre de moi. J'aime mieux courir tous les hasards que dormir à cette issue. Je t'en prie, ne souillons pas nos mains de ce sang-là. D'où te vient ce soudain aspect du sang? Le sang du comte d'Arundel, le sang des Baldock, le sang des Despenser, tout ce sang-là, tu n'en as pas détourné les yeux? Certaines nuits, j'ai même cru que le sang te plaisait. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Tu l'aimes, tu l'as toujours aimé. Quoi qu'il t'ait préféré un homme, tu l'aimes. Oh, fou. La jalousie ne s'éteindra donc jamais en toi. Il te faut une preuve de plus. Ne t'ai-je pas assez montré devant tout le royaume de France et tout celui d'Angleterre, devant mon fils même, que je n'avais au cœur d'autre amour que le tien? Mais que te faut-il donc pour te convaincre? Le tuer. C'est un roi, gentil Mortimer. Un roi. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas né d'un roi. Je descends des rois de Danemark, madame, mais je ne suis point roi. Ma vie, de la sorte, n'étant pas protégée contre une mésaventure de fortune, je m'en vais. Je vais chercher refuge ailleurs, avant qu'il soit trop tard.
hors d'un royaume dont la reine m'aime si peu que je n'ai plus rien à y faire. Mortimer ! Gentil Mortimer, demeure ! Demeure ! Je t'en supplie, reviens. Reviens. Je ne suis qu'une femme, mon amour, j'ai besoin de toi, de ton appui, de ton conseil. T'es-tu décidée ? Agis ainsi que tu crois. Tu es sûre de le vouloir ? Je veux ce que tu veux. Tu le veux, vraiment ? Alors ? Garde ! Qu'on aille m'éclairer aussitôt, Monseigneur Arlington. Madame la reine considère avec raison que la vie de son époux met en péril la paix du royaume. Et elle s'inquiète que Dieu tarde tant à le rappeler à lui. Madame la reine se voit placée devant le cruel dilemme qui se pose toujours à ceux qui ont la charge des États. Sacrifier une seule vie pour éviter d'en risquer beaucoup d'autres. Vous entendez ? Certes, les commandements de Dieu nous interdisent de hâter toute fin. Mais les rois ne sont pas hommes ordinaires. Je croyais avoir compris, my lord, que les gardiens du roi déchu devaient vous épargner de vous poser ces pénibles questions. Les gardiens paraissent avoir épuisé leurs ressources et n'agiront pas plus avant sans avoir reçu des instructions écrites. Or, un ordre écrit peut tomber en d'autres mains que celles auxquelles il est destiné. Oui, en d'autres termes, vous voudriez tout à la fois envoyer l'ordre et ne pas l'envoyer. Je voudrais envoyer un ordre qui soit clair pour ceux qui doivent l'entendre et demeure obscur à ceux qui risqueraient de s'en saisir. Me comprenez-vous ? My lord, de par votre volonté, je ne suis qu'un pauvre évêque qui n'a ni siège ni diocèse où planter sa crosse. C'est bon. J'écrirai au pape. Vous aurez Worcester. Ces paroles dites. L'ordre n'a pas besoin d'être long. Si vous-même ou Madame la Reine ne consentez pas à sceller une lettre aussi anodine, je puis le faire moi-même. Eduardum occidere, nolite timere bonum est. Eduardum occidere, je comprends, nolite. Ne faites pas timere, craindre. Bonum est, il est bon. Faut-il comprendre ? Ne tuez pas Édouard. Il est bon de craindre de faire cette chose, ou bien ne pas craindre de tuer Édouard, il est bon. La volonté de Dieu se manifestera par la compréhension de celui qui recevra la lettre. Mais la lettre elle-même, si elle est surprise, qui pourrait en faire reproche ? Mortimer. Ne me laisse pas seule cette nuit. Eduardum occidere, nolite timere, bonum est. Ne pas craindre de tuer Édouard, bonum est, il est bon. Conduisons-nous ainsi que la reine l'attend de nous. Sans trace, a dit le chevaucheur. Le poison ? Où le trouver ? Après, les gens parlent, et ça laisse les corps noirs. Si vous l'étrangliez ? J'ai oublié la marque du lacet, et la face qui reste toute bleue. Il faut le punir par où il a péché. Suffit d'en percer le bout. Ainsi, un tisonnier peut aller et venir librement à l'intérieur. On met la corde
en place. On porte le tisonnier rouge. Pas la moindre trace sur le corps. Voilà. On se sent mieux à présent. N'est-il pas vrai, Mylord? Maintenant, on va te coucher. Sur bon lit de plumes. Vous avez reçu de nouveaux ordres? Ah oui, pour sûr, on a reçu des ordres. Et l'on va bien te traiter, Mylord. On t'a même commandé du feu. Les soirées commencent à fraîchir, n'est-ce pas, Billy? Il n'aura pas froid, je le jure. Pas froid du tout. Allez, couche-toi, Mylord. La couche est bonne, tu verras. Que fais-tu, Ugly? Tu tailles une corne pour boire? Non, Mylord, pas pour boire. Je taille une corne, voilà tout. Je crois que c'est la bonne longueur, ne pensez-vous pas? Ton dispenser que tu aimais tant, avait-il la parure solide? Allez, Mylord, couche-toi. Vous n'avez pas fait! Maintiens-le! À toi, lui! Les assassins convièrent les paysans du voisinage à défiler devant le cadavre du monarque déchu. Tous pourraient affirmer de bonne foi qu'Édouard II avait trépassé de mort naturelle. Il n'y avait plus d'hypothèque sur la couronne d'Angleterre. Un crime sans trace.